La confusion spirituelle est vraiment quelque chose aujourd'hui qui fait stagner beaucoup, beaucoup d'enfants de Dieu parce que ces personnes marchent dans une totale confusion. La confusion qui les emmène à faire des mauvais choix, déjà à être là où elles ne doivent pas être, malheureusement. La confusion spirituelle est vraiment l'apanage des personnes qui vivent et marchent sans révélation. Quand vous ne savez pas ce que Dieu attend de vous, quand vous marchez suivant vos émotions, vous allez demeurer dans une forme de confusion dite spirituelle. Elle vous emmène à ne pas mesurer la profondeur et la portée également de vos actes et les conséquences de vos actes. Quand on est dans la confusion, c'est qu'on ne sait pas réellement ce qu'on doit faire. Et on ne sait pas ce que Dieu dit ou on refuse en fait de saisir ce que Dieu dit. Parfois, on n'a pas la révélation, on n'arrive pas à saisir le plan de Dieu pour sa vie parce qu'on est dans la confusion. Et pourquoi elle est spirituelle? Parce que beaucoup de personnes, malheureusement, depuis que l'Internet existe, se connectent aux mauvaises personnes, écoutent les mauvais enseignements. Si ce n'est pas ça, c'est que ces personnes écoutent plusieurs enseignements en même temps, donc ont plusieurs mentors, ont plusieurs leaders, ont plusieurs coachs. Et à partir de là, chaque coach vient enseigner sa manière de voir les choses, surtout si ces enseignements ne sont pas tirés de la parole de Dieu. Donc, ce qu'on consomme peut amener à ne plus savoir ce qu'il y a lieu de faire et à ne plus véritablement écouter la voix de l'esprit. Donc, on marche maintenant dans la confusion parce que vous recevez tellement, tellement, tellement de tout le monde des instructions, des enseignements, vous finissez par tomber dans la confusion spirituelle. Et cette confusion peut vous amener à tuer malheureusement votre destinée ou à ne pas rentrer véritablement dans cette destinée, à la persécuter. C'est cela les conséquences de la confusion spirituelle. C'est-à-dire que vous ne vous alimentez pas de la parole de Dieu, vous n'avez pas une relation propre avec le Saint-Esprit, mais vous marchez comme ça à tue-tête, vous gobez tout, vous avalez tout, vous ne méditez pas, vous ne marchez pas dans le discernement. Donc, ces personnes agissent malheureusement avec légèreté, même face aux décisions de leur destinée. Elles manquent de discernement. Nous sommes dans les temps de la fin. Et si nous ne marchons pas avec révélation, conformément à la volonté de Dieu, malheureusement, mes bien-aimés, on peut passer à côté de la volonté de Dieu, on peut passer à côté de sa destinée. Malheureusement, je dis, on peut passer à côté parce qu'on n'a pas de bon conseiller et parce qu'on ne met pas tout à la lumière, on ne sonde pas les Écritures. Donc, c'est avec l'esprit de discernement qu'on médite et qu'on marche dans la connaissance véritable de la volonté de Dieu, mais conformément à la parole de Dieu. La confusion spirituelle amène également plusieurs, malheureusement, à mépriser les conseils de Dieu, à mépriser également les connexions. C'est-à-dire, quand on est dans la confusion, on ne sait plus quelle est la bonne connexion. Une chose que j'ai constatée sur les réseaux sociaux, vous allez voir les mêmes personnes qui disent être enfants de Dieu, hein, mais elles vont se nourrir des messages des stars. La plupart des enfants de Dieu vont aimer les pages des païens. Tu vas les voir là, celle vient d'aimer. Et quand vous regardez la page qu'elle a aimée, c'est la page d'une star du monde. Elle est venue aimer la page. Quand vous aimez une page, ça veut dire que vous vous alimentez de la source de cette personne. Beaucoup de personnes se sont retrouvées dans cette confusion spirituelle, dans un étouffement spirituel. Elles ne savent plus qu'est-ce que dit le Seigneur. Mais en fait, tel coach me dit de faire comme ça, l'autre me dit de faire ça, l'autre aussi dit ceci. Et on est là dans une confusion. C'est malheureusement le problème d'Internet parce qu'on marche dans la confusion spirituelle. On veut tout mettre en place. Mais est-ce que la parole de Dieu est au centre de vos choix? Est-ce que c'est la volonté du Saint-Esprit que vous soyez connectés à tout le monde en même temps? Ah, c'est le mauvais côté des réseaux sociaux. Parce que quand on n'est pas encore affermi dans la parole de Dieu, quand on n'est pas encore affermi dans la chose de Dieu, on va malheureusement tout gober. Et à force de tout gober, votre esprit va avoir une mauvaise digestion, une malformation, et vous pouvez ne pas survivre de ça. Parce que votre esprit s'étouffe. Donc c'est pour cela qu'il y a des lourdeurs. Parce que vous gobez tout. Même notre corps ne peut pas tout manger. Il y a des choses qui sont nuisibles à l'équilibre physique, à la santé. Donc on ne peut pas tout manger. Vous devez développer ce système de filtrage. Parce que tout ce que vous écoutez, tout ce que vous regardez,
tout ce que vous téléchargez à longueur de temps finit par influencer votre esprit. Notre esprit est l'habitation du Saint-Esprit. Et c'est dans l'esprit que tout ce que nous prenons, tout ce que nous gobons, se télécharge. Si vous passez votre temps à regarder des films du monde, non pas que ce soit mauvais de regarder, mais il faut une modération. Dans toute chose, on doit être modéré. Essayez de vivre une journée à regarder une série sans vous arrêter. Ce jour-là, vous n'allez pas pouvoir prier. Pourquoi? Parce que vous avez tellement nourri la chair que l'esprit ne pourra pas se relever. Quand on est enfant de Dieu et qu'on veut mener des guerres et qu'on veut vivre dans le combat spirituel, mon frère, ma soeur, il faut une discipline. Et cette discipline nous impose de ne pas tout prendre, de vivre dans une certaine rigueur. Vous ne pouvez pas être à longueur de temps en train de vous nourrir des choses qui n'ont aucun apport, qui ne peuvent pas apporter une vitamine spirituelle à votre esprit. Parce que vous téléchargez, à chaque fois que vous avez regardé un message, vous l'avez téléchargé dans votre esprit. Et qui plus est, si vous avez écouté un message avec un homme qui est allé embrasser le feu étranger. Beaucoup de serviteurs de Dieu, malheureusement, ont embrassé le feu étranger pour avoir la gloire, pour faire tomber les gens. Beaucoup ne travaillent pas sous l'onction du Saint-Esprit. Donc, plus vous allez vous consommer leurs enseignements, vous téléchargez le feu étranger en vous. Et ce n'est pas étonnant que vous soyez dans une confusion spirituelle, que la vie de l'Esprit s'éteigne en vous, que l'amour pour Jésus diminue. Vous êtes en train de vous perdre parce que le feu étranger, ça veut dire que c'est le feu que le diable leur permet d'avoir par d'autres moyens. Beaucoup de serviteurs de Dieu, je vous dis bien, sont allés embrasser le feu étranger. Simplement pour avoir la gloire, pour faire des prodiges et des miracles. Ce n'est pas le fait de faire des miracles qui prouve qu'on est dans la source du Saint-Esprit. Le diable fait des miracles. Les faux prophètes aussi prophétisent. Ils font aussi des prodiges et des miracles. Ce n'est pas à cela qu'on jauge la présence du Saint-Esprit dans le corps d'un serviteur ou d'une servante. C'est le discernement. C'est le discernement. C'est pour cela que le Seigneur dit que mes brebis entendent ma voix. Elles ne suivent pas un étranger. Elles n'obéissent pas à la voix d'un étranger. C'est-à-dire, quand il parle de l'étranger, il parle du loup. Et le loup, c'est Satan. Donc, je nous invite vraiment à faire attention à ce que nous consommons, à ce que nous regardons, de quoi nous nous nourrissons spirituellement. La parole de Dieu doit être notre guide, notre loupe. Il faut tout faire passer à la loupe des Saintes Écritures. Sinon, mon frère, ma soeur, vous vivez juste être en lambeaux. Et la confusion va s'emparer de vous. La confusion va s'emparer de vous. Quand vous avez le discernement, vous n'allez pas dire Amen pour dire Amen. Vous n'allez pas dire Amen pour dire Amen. Parfois vous êtes là, vous mettez les kits dans vos oreilles et la voix de ces personnes pénètre votre esprit. Ce n'est pas étonnant que vous voyez ces gens en songe. Lorsque vous êtes en contact avec une onction, avec le feu étranger, ce feu va impacter votre vie, mais amener un esprit d'égarement, un esprit d'orgueil. Sachez que l'esprit d'orgueil ne vient pas de Dieu. L'égarement, c'est vraiment ce qui crée la confusion. Vous êtes partout en même temps. Vous voulez tout manger en même temps. Et si le Saint-Esprit vous dit que cet homme est un homme de Dieu, alimentez-vous là. Je dis bien pour ceux qui ont des réseaux sociaux. Mais vous ne pouvez pas suivre tout le monde. Donc la confusion spirituelle est quelque chose qui a détruit beaucoup de vies. À cause de la confusion spirituelle, plusieurs personnes sont passées à côté d'un temps de visitation, à côté d'un temps chronos, dit prophétique. Et sont restés là. « Oh Seigneur, tu ne me visites pas. Oh Seigneur, tu ne te souviens pas de moi. Oh Seigneur, tu m'as promis que... Oh » Alors que, à cause de cette confusion spirituelle, elles ont malheureusement loupé le coche. Elles ont raté la visitation. Elles ont coursicuté la bénédiction. Elles ont malheureusement fait mourir la connexion spirituelle. La confusion spirituelle est grave. Et elle amène à s'attacher aux mauvaises personnes. Parce que c'est un esprit d'égarement. Comme il vous égare, il va plutôt vous emmener vers des fausses connexions. Que quelqu'un dise, moi je refuse de demeurer dans l'égarement. Esprit d'égarement, tu lâches prise ma vie. Tu lâches prise mon cœur. Tu lâches prise mes pensées. Tu lâches prise mon âme. Et ces personnes, comme je dis, ont la démangeaison.
des prophéties. L'esprit d'égarement, quand il saisit une personne, cette personne va se déconnecter de la source de vérité qui est Christ et va commencer à rechercher plus les prophéties. C'est-à-dire que c'est le même système qu'on avait dans le monde pour la plupart, ceux qui aimaient aller consulter les marabouts, les gangas, les devins, toutes ces personnes qui ont aimé consulter ces gens-là dans le monde vont développer les mécanismes de la recherche de la parole prophétique parce qu'ils sont toujours attachés au devin. En fait, maintenant, ils disent, comme c'est un homme de Dieu, il doit parler sur ma vie. Il doit me dire si demain je vais me marier, si demain je serai béni. Cet homme de Dieu doit bénir ma vie, cet homme de Dieu. Et vous allez être là, dès que vous passez, vous voyez prophète, vous êtes connecté. Il faut qu'il parle sur ma vie. Il faut qu'il se parle sur ma vie. Et vous rentrez dans une confusion parce que le Saint-Esprit vraiment va vous laisser vous éprouver dans la confusion parce que vous voulez la prophétie. Mais la plus grande prophétie, celle qui peut avancer dans la vie, c'est la parole de Dieu. La prophétie qui m'a permis, moi, de rentrer dans ma destinée et d'avancer dans la vie, c'est la parole de Dieu. C'est la meilleure des prophéties. Parce que quand vous l'ouvrez, quand vous lisez la parole, vous allez avoir le réma dans certains versets, dans certains passages, et puis vous allez vous rendre compte que Dieu m'a parlé. Moi, c'est ma seule source de prophétie, c'est la parole de Dieu. C'est pour cela que je lis la parole de Dieu. Quand je la lis, non seulement j'ai un entretien privilégié à chaque fois avec Jésus, mon Seigneur, mais également il me donne, alléluia, il me fait du bien, il me donne une parole. Je sens que Jésus, vous voulez que Jésus vous parle comment? Jésus vous parle au travers de sa parole. Oh Seigneur, je veux que tu me visites. Je veux une autre dimension de toi. Je veux une autre dimension de toi. C'est ma saison de visitation. Mais si vous ne lisez pas la parole de Dieu, vous allez passer à côté de votre saison de visitation. Parce que Jésus doit vous parler. Et il doit vous confirmer aussi si vous avez des prophéties. Et ça doit s'éprouver dans la parole de Dieu. Donc beaucoup sont dans l'attente que Jésus me visite, mais n'ouvre pas la parole de Dieu là où se trouve le maître. Il est la parole, on vous dit. Il n'est nulle part ailleurs que dans la parole. Même si les serviteurs de Dieu ont l'onction, c'est merveilleux de vous transmettre l'onction, de vous transmettre la connaissance, la soif. Mais maintenant, vous-même, vous faites asseoir ce que vous recevez par la révélation que vous avez de Jésus, par la relation que vous avez avec lui. C'est ce qui fait la différence. Et c'est parce que vous demeurez dans la parole de Dieu que vous ne pouvez pas suivre un esprit d'égarement. L'esprit d'égarement, ce sont des esprits envoyés par le royaume des ténèbres pour égarer les enfants de Dieu. Cet esprit ne va pas vous conduire, il ne va pas vous éprouver, il ne va pas vous maintenir dans la captivité parce que vous avez à la lumière des Écritures, Jésus va vous délivrer et vous allez maintenant, alléluia, vous allez maintenant faire passer au rayon, à la loupe de la parole de Dieu, ce que vous apprenez. Si vous avez écouté un homme de Dieu dire quelque chose, il faut que le verset biblique soit maintenant éprouvé parce que c'est pour cela que beaucoup sont égarés et sont dans la confusion spirituelle. Il y a des hommes qui prêchent simplement leurs connaissances charnelles ou leurs expériences. Mais il faut maintenant que ce qu'on vous prêche soit appuyé sur la parole de Dieu. Parce que je dis bien que c'est Jésus-Christ que nous révélons aux hommes. Si vous avez des hommes de Dieu qui passent leur temps à prêcher une parole qui n'est pas biblique, qui ne vous montre pas la voie et qui ne vous donne pas de connaître Christ en esprit, en vérité, c'est que ces hommes-là sont en train de vous prendre en captivité. Nous sommes des serviteurs de Christ. Donc, chaque homme de Dieu, chaque servant de Dieu doit vous emmener à avoir une relation pleine avec le Maître qui est Jésus-Christ. Personne n'est allé à la croix mourir pour nous en dehors de lui. Donc, nous sommes certainement des serviteurs, nous sommes des influenceurs, nous sommes des impacteurs, nous sommes des impulseurs, mais nous impulsons selon que Christ, alléluia, le veut. Donc même chaque connexion doit être éprouvée dans cela. Vous ne devez pas dépendre. Je dis bien, ne dépendez pas des hommes de Dieu. Dépendez de Christ.